Le Nigeria a terminé premier de la poule A durant les éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les 15 points, soit 5 victoires et une défaite des Super Eagles, ont confirmé leur statut de favori à la CAN ivoirienne. L'objectif à présent est de soulever un quatrième trophée après le succès de 1980, 1994 et 2013. The training, the practice, because I started before. Nous avons déjà commencé à nous entraîner et l'équipe semble prête pour cette nouvelle édition. Cela commence maintenant et nous sommes prêts à gagner la CAN. Placé dans le groupe A avec le pays hôte, la Côte d'Ivoire, ainsi que la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, le Nigeria compte parmi les favoris du groupe le plus largement de la compétition. Avec la Côte d'Ivoire, il se présente comme les calibres du groupe A devant la Guinée équatoriale, quart de finaliste de la dernière édition de la CAN, qui pourrait cependant créer la surprise. Le match Nigeria-Guinée-Bissau a tout l'air d'une revanche. Les deux équipes se sont affrontées en mars 2023 en marge des éliminatoires de la CAN, avec une victoire de la Guinée-Bissau à l'aller 1-0 et un sursaut d'orgueil du Nigeria au retour, vainqueur sur le même score. Le chemin a été long, mais ils ont continué à faire preuve d'enthousiasme et de motivation pour faire mieux. L'équipe s'est entraînée très dur pour être au top. Ils sont conscients de l'enjeu et n'accepteront pas moins qu'une victoire pour cette édition de la CAN. They know for reach that AFCON, because you want to win that AFCON. La sélection nigériane compte dans ses rangs plusieurs stars tels que le meilleur joueur de Serie A italienne Victor Osimhen, 26 buts en 32 matchs avec son club Naples. L'attaquant du Bayer Leverkusen Victor Boniface, l'ailier Samuel Chukwueze et l'expérimenté Kelechi Iheanacho qui participera à la CAN pour la quatrième fois. Pour rappel, en 2021, le Nigeria était sorti en huitième de finale, battu par la Tunisie sur le score de 1-0.